faire un petit clap. Vas-y. Wow, voilà. Bon bah peut-être santé hein. Ah ouais, faut le détecter, genre il détecte quand tu tombes quoi. Genre ouais. Quand tu tombes dans les pommes quoi, j'imagine. Ah oui, quand t'as une baisse de tension peut-être. Et du coup il appelle les urgences. Ah ouais, ça, franchement ça a des fonctions quand même intéressantes. pour la santé. Ouais. On parle de santé avec ça et ça. Je trouve pas ça si inutile que ça, après je trouve ça un peu cher quand même. Inutile non, mais gadget oui. Tu vois ce que ouais. Je veux dire. Y a pas la killer app, l'app qui te ferait acheter une Apple Watch quoi. Non. Enfin. C'est le gros problème de l'Apple Watch. Puis même passer tes appels sur l'Apple Watch, t'as l'air débile un peu genre. Ah oh oui non mais ça je sais pas qui le fait ça. Ça c'est oui non c'est pas possible ça. Non c'est plus pour les notifs, c'est marrant. Ah voilà, une notification c'est notre cœur bat trop lentement. Un peu inquiétant quand même la notif. Ouais c'est clair, putain la vache. Le truc qui te fait flipper quoi. Please. Ça te rajoute du stress dans ta vie en fait. Oh ouais ouais. L'heure est arrivée. Apple vous souhaite une bonne fin de vie. T'imagines. Ouais, je sais pas, tout électrocardiogramme, ça va pour voir ta fréquence cardiaque, mais ça tu l'avais déjà avant. Mais c'est peut-être un truc bon. Ouais, mais maintenant ils font un graphique, je crois. Ouais, ouais, c'est un truc plus précis, c'est quoi. Plus précis, ouais. T'as les mouvements de tes ventricules, limite, quoi. Des barres, t'arrives chez ton docteur, t'as déjà tout ce qu'il faut. Ouais. Bon, j'ai toutes mes analyses. Docteur, bon, bah tiens, Doliprane. Voilà. Parce qu'ils disent que c'est un électrocardiogramme, c'est une technique qui est assez évoluée. Normalement, il faut mettre plein d'électrodes sur. Bah, c'est en fait, ils ont mis une électrode au dos de l'Apple Watch. C'est ce qu'ils disaient tout à l'heure. Ouais, mais juste une sur le poignet, quoi. Ouais. D'habitude, ils mettent des trucs un peu partout. Bon, c'est peut-être pas aussi fiable. Apple est en train de révolutionner la médecine. Voilà. Ok. C'est vrai qu'à chaque keynote, il y a toujours une petite partie médecine, quand même. Ouais, ouais, ils parlent toujours de santé. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un peu le sujet à la mode. Même chez Google, maintenant, avec Google Fit et tout. Ils ont... Ouais, ouais. C'est vrai que la partie santé, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Non, mais tu sais bien, mais. À part s'ils inventent une Apple Watch qui peut te faire gonfler les pecs et les biceps, ouais. Là je suis preneur. Donc en tout cas, leur électrocardiogramme a été homologué par la FDA. Ah oui, oui. C'est l'espèce de ministère de la santé américain. Mmh. Ouais, quand même. Donc, voilà, c'est qu'ils l'ont jugé fiable. Si j'ai trop d'argent, je pourrais mettre des sous pour acheter une Apple Watch, quoi. Ouais, voilà, mais si t'as trop d'argent, tu peux faire n'importe quoi, en fait. Ouais, ouais, non, mais c'est... Oui, oui, non, mais si là, je me dis, oh là, j'ai 600 euros, je sais pas quoi en faire... Personne se dit ça. Non. C'est pour ça que je vais peut-être pas me lâcher tout de suite. Non, mais s'ils annoncent l'Apple Watch dès maintenant, c'est qu'il y a peut-être des grosses news après. Hein. Plusieurs grosses news. Ouais. Ou à moins qu'ils ont dit, bon, la dernière fois, 2 heures de keynote, c'était un peu long. On va tout balancer. Tiens, regarde, Johnny Hive. Là, c'est intéressant. J'adore ce mec. J'adore comment il parle. Oh, ouais, bah, lui, c'est... It represents a fundamental redesign and re-engineering of Apple Watch. Apple Watch Series 4 is a device so powerful, so personal, so liberating, it can change the way you live each day. Apple Watch. Bon, en gros, ça donne envie d'acheter l'Apple Watch. Ouais, bof. Enfin. Ah bon, Apple Watch mieux, quoi. Pas indispensable. Pas plus indispensable qu'avant. Bonne nouvelle, les bracelets compatibles avec les anciennes Apple Watch sont compatibles avec la nouvelle. Merci. C'est gentil. Ouais, mais c'est... Ça peut être... En même temps, elle a exactement la même gueule, quoi, donc bon. Ok, le chapitre Apple Watch m'a l'air terminé. C'est pas trop tôt. Oh, bah déjà iPhone, déjà. Oh, la vache. Ils vont finir sur l'iPad, genre. Oh, c'est bizarre que ce soit aussi vite, les iPhones, quand même. Ouais, c'est bizarre, ouais. iPhone X has changed the industry. Oui, ça en fait. And along the way, it became the number one smartphone in the world. Voilà. Chapeau. But what's most important to us is that it's the most loved smartphone with an amazing 98%. Ça veut dire qu'il y a quand même 2% de mecs qui ont acheté l'iPhone 10 qui sont pas contents. Ah ouais. Mais oui, c'est bizarre, hein, bizarre. Wow. Ah ça c'est de la musique ça. Si tu mets ça comme musique sur un iPhone, au bout du tu l'achètes quoi. Eh mec. Bon bah voilà, le leak était totalement vrai. Ah c'est chaud putain. Voilà, tu vois, y a pas de notch. Hein. Ouais, de taille, super. Allez. Couleur or, du coup. Allez, on applaudit, on est gentil. This is iPhone XS. It is the most advanced iPhone we've ever created. Alors, ça, ils le disent à chaque fois.
C'est le meilleur iPhone qu'on a jamais fait. Ah oui, oui. Putain, encore heureux. Bah, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai, mais encore heureux. T'imagines, ils font un truc genre d'une année à l'autre, c'est moins bien. Bon, il est un peu moins bien que l'année dernière. Ça n'a aucun sens. Ok, toujours de l'acier, pas de titane. L'essentiel iPhone reste au-dessus. The iPhone XS is not just one, but two sizes of display. The 5.8 inch and a new 6.5 inch Super Retina display. En gros, c'est la même taille que les iPhone Plus, mais ouais, avec l'écran borderless. Mmh. Putain, c'est beau quand même. Hein. Ça, c'est vachement grand, je pense, par contre. Bon, c'est un plus, hein. Ouais. C'est gigantesque. Ouais. Max. Ah putain, donc c'est bien le Max en fait. Oh non. Pourquoi ils ont changé ça? Je sais pas. C'est nul le Max en plus. Bah ouais, en fait. Ça fait Max... bas de gamme. Bah ouais, Max en fait, ça me fait penser à Asus. Je sais pas, Max, ça fait un peu cheap quoi, je trouve. Ouais, ouais, non, mais je sais pas, ils auraient dû garder plus, c'était bien. C'est bizarre. What? Attends, 120 Hz? Oh, c'est un fluide quoi. Attends, est-ce que c'est 120 Hz au niveau du toucher? Ou est-ce que c'est vraiment 120 images par seconde qui sont affichées sur l'écran? Oh, ça fait comme l'iPad Pro quoi. L'iPad Pro, le Razer Phone aussi. Mais sur un écran OLED. Et ça, c'est rare. Donc, grosso modo, voilà. L'iPhone XS, ça va être l'iPhone 10 en mieux. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de nouveautés. Non. Mais ce qui va être vraiment intéressant, je pense, c'est l'iPhone moins cher, genre, ouais. IPS. Je pense qu'il le garde pour la fin, c'est pour ça. Ouais. One more thing. C'est une version S. Ça s'appelle XS. Ouais, mais tu vois, il y a eu des versions S qui apportaient quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Genre par exemple le 6S par rapport au 6, t'as eu Force Touch, enfin 3D Touch. Ouais, le 5S, il y a eu le Touch ID. Touch ID. Le 4S, il y a eu Siri. Ah ouais, c'était ça la grosse nouveauté. Le 3GS, tu sais ce qu'il y avait par rapport au 3G? Moi je sais. Le 3, je sais pas, c'était pas la 3G. Ouais. C'était la vidéo, mon pote. Ah, la vidéo. Ouais, on pouvait pas filmer avec le 3G dans le... Ouais. Oh, Bethesda! Oh, c'est juste un beau nom, c'est tout. Oh, Bethesda, c'est Skyrim quand même. Ouais, mais tu peux mettre un beau nom sur ton PDF aussi. Hein. Mais c'est sûr que, du coup, c'est sûr que. On attendait l'Apple Watch, c'est bon. On attendait l'iPhone, c'est bon. Il reste la nouvelle iPhone, l'iPhone et l'iPad. Chip. Voilà, moi je pense qu'il y aura surtout l'iPad parce que on peut pas s'arrêter là-dessus quoi. Bah là, ouais, ça fait un peu triste là pour l'instant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes les jeux qu'on a sur mobile aujourd'hui. Je dirais qu'en termes de graphisme, on est entre la PS2 et la PS3. C'est assez impressionnant quand ils pensent. Ah oui, oui, je pense, oui. Peut-être même. Ouais, ouais, peut-être les débuts de la PS3, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas le prix encore. Ah non, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est très long, on a toutes les capacités graphiques de ce nouvel iPhone, mais bon. On se fait un peu chier. Qu'est-ce qu'ils foutent, là? Ouais, ça sent le malaise. Mais je suis sûr que c'est des gens passionnés. Hein. C'est juste que bon. Techniquement, c'est balèze quand même. Ouais, ouais, c'est stylé, ouais, mais bon. Ils ont un monde virtuel qui est représenté exactement de la même façon, tous les trois. En VR. Mais en sous des angles différents. Ouais, voilà, sous des angles différents. Puis après, les trucs sont connectés pour les attaques et tout. C'est sûr, c'est stylé. C'est stylé. Mais bon, après, le jeu, il a pas l'air ouf, quoi. Non, non. C'est vrai que je trouve que depuis l'année dernière, avec leur truc AR, les présentations iPhone ont perdu en classe. Bah, même à la WWDC, là, il y avait tout AR et tout. Ouais. Bon. C'est incroyable. Ouais. Understand? Ouais, understand. C'est un peu chier quand même. Ouais, ouais, c'est clair. Après le jeu vidéo, la photo. Après, bon, c'est sûr qu'ils peuvent pas réinventer l'iPhone tous les ans, quoi. Ouais. Non, mais bon, ce qu'ils peuvent réinventer, c'est les prix de l'iPhone. Et justement, c'est pour ça que le prochain, il est intéressant, celui qui est supposément moins cher. L'iPhone chip? L'iPhone chip. C'est un peu... Comment on appelle ça? Une oxymore? Ah oui, oui, ouais. Plus. Oxymore, figure de style qui consiste à aller de mots de sens contradictoires. C'est comme avant mais mieux, voilà. C'est le résumé. Ouais, c'est un peu ça, ouais. En soi, l'iPhone XS, il est pas intéressant, si t'as déjà l'iPhone 10 en tout cas. Après voilà, c'est le XS Plus, là il offre une vraie alternative pour les gens qui aiment les grands... Moi la question que je me pose c'est, on sait pas encore mais... iPhone X ou iPhone 9 ou iPhone XS?
Ah ouais, ou XR. XR. Les derniers leaks disaient XR. Ouais. C'est là où il y a un vrai duel de C'est là la surprise de la keynote. Ouais. C'est là, s'il l'annonce à $200. 200, non. J'y crois moyen. Increasingly, all smartphone users want more performance, bigger screens, but longer battery life too. Battery life. Tu veux, je parie, ça va être mieux que l'année dernière. Je te parie que ça va être ça. Prends des risques. Hein. Oh, oh là là, putain, je suis mentaliste en fait. Ça fait... Dual SIM, ah. Ça c'était dans les rumeurs aussi. Enfin, ouais. Dans les rumeurs pas très sûres. Mais... iPhone XS Max. 10 S Max. Oui, 10 S Max. C'est chiant à dire. Ouais, c'est chiant à dire. Merde. Merde. We are very excited to show you one more iPhone. Ah. One more iPhone. Un iPhone de plus. Ça, c'est intéressant. Mm. J'en ai plein la bouche. Mm. Monocapteur. Mm. Ce qui est rare. Et donc pas brillant, il est mat sur les bords. Comme l'iPhone 8 en fait. Mais il est brillant sur le dos quand même, donc Pouah. Ok. Ah, c'est fou. Celui-là c'est le plus intéressant des trois pour moi. Ouais, tant de rapport qualité-prix quoi. Ah putain, on voit que les bordures sont nettement plus fat par contre. Ouais. C'est vrai que les bordures elles sont plus fat là. Ouais, ça se voit, ça se voit bien, ouais. Mais ouais, c'est le plus intéressant, je pense, en termes de rapport qualité-prix. Carrément. Alors R. Et alors? Putain, les leaks, c'est magique. Les... Non mais les leaks, c'est vraiment les leaks de dernière minute. Ouais, ouais, là c'était, c'était aujourd'hui. Enfin, moi XR, j'ai pas vu depuis... peut-être hier, mais... Hier soir, peut-être, ouais. Ouais, ouais, mais franchement, pas avant, quoi. Ouais. Ouais, c'est cool. Celui-là, il est vraiment bien. Celui-là, il est bien, ouais. Alors le prix, mais... Je plus sois. Pour moi, c'est le plus intéressant. C'est le remplaçant du C, quoi. Ou du SE. SE. Ouais, c'est un peu difficile à dire, parce que c'est quand même pas pareil, mais... Enfin, après, c'est vrai que le SE, il avait un gabarit. Ouais, voilà, c'était plus un gabarit qu'autre chose. Celui-là, c'est un prix, en fait, avant tout. Bah, le C, alors. Ouais, plus le C, ouais. Ouais. Plus le C. Même avec tous les couleurs, ça c'est un peu le C, quoi. Ouais, donc voilà, c'est pas du OLED, c'est du LCD. Du LCD, ok, ouais. Pas de surprise. Non, mais si ça fait baisser la facture. Mais de toute façon, le LCD, mec, quand tu vois ce que certains smartphones arrivent à faire avec du LCD, moi j'ai aucun problème avec ça. Hein. Bah, même le ça, celui-là, moi voilà. C'est du LCD. Hein. L'iPhone 7 c'est du LCD, mon Essential Phone c'est du LCD, ouais. Le truc est super propre quoi. Mmh. Ouais, il a moins de grosse résolution, moins de pixels par pouce. Now, it doesn't have 3D touch, but here again, the team came up with something really smart. It has a new feature. Pas de 3D touch. Pas de 3D touch. Bon, s'ils peuvent faire des économies, c'est pas le truc indispensable qu'ils peuvent. Non, clairement, moi, je trouve ça inutile. Je trouve pas ça inutile, mais pas indispensable. Il y en a qui seront pas d'accord avec moi dans les commentaires et tout, mais 3D touch. Moi, je trouve ça assez inutile. Et en fait, le truc, c'est que la plupart des gens qui ont un iPhone, eh ben, ils savent même pas que ça existe. Genre moi dans mon entourage j'ai plein de gens de ma famille, des oncles, tant, machin, qui ont un iPhone et qui se servent pas de 3D touch parce qu'ils savent même pas ce que c'est, ils savent même pas que ça existe, ils savent même pas qu'ils ont la possibilité d'appuyer plus pour avoir un truc en plus. Alors c'est sûr que quand on parle sur Twitter, bah forcément les gens qui sont sur Twitter c'est des gens qui sont un peu plus au courant de tout ce qui est tech et tout. Du coup forcément ils connaissent plus. Mais les gens en général. Moi, mon père ne connaissait pas ce que c'est, je pense. Voilà. Non, il est mignon, hein. Je pense qu'en vrai, il est. Ouais, il est bien. C'est vrai qu'il a des plus grosses bordures. Ouais. Ouais. Il y a un mode portrait alors qu'il y a un mono objectif. C'est une première chez Apple. Ouais. Quand tu vois ce que Google peut faire en même temps, tu te dis bon. Oui, non, mais c'est une première parce qu'avant, il disait que machin, on pouvait faire que du portrait avec. Grâce à la distance entre les deux objectifs. Ce qui en soi est pas faux. Ouais, c'est pas faux, c'est optiquement possible, mais là, ils peuvent le faire vraiment 100% électronique. Bah, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, tu reconnais un contour, tu reconnais un visage. Ouais, mais après, c'est les cheveux et tout qui sont galères. Ouais, ouais. Mais Google le fait très bien en l'occurrence. Ouais, après, c'est vrai que les bordures sont fat hein, quand même. Tu regardes là. Il serait intéressant d'aller le voir en Apple Store pour voir vraiment physiquement ce que ça vaut quoi. Ouais, carrément. Ils ont l'air bien plus fat quand même. Là, vu comme ça. Ouais, là, comme ça, ça cogne. Alors, par contre, leur histoire de 120 Hz, ça m'intrigue. Est-ce que c'est vraiment l'écran qui fonctionne à 120 Hz,
qui affiche 120 images par seconde, ou est-ce que c'est juste le tactile qui réagit à 120 Hz? Je pense que c'est plus le tactile. Parce qu'il y avait écrit touch machin. Ouais, touch machin, ouais. Parce que pour le coup, un iPhone à 120 Hz, ça serait vraiment très chouette. Quand tu vois comment c'est sur l'iPad Pro, c'est jouissif. Enfin, moi, j'adore. Après, c'est vrai, ils n'ont pas fait trop de com sur l'iPad Pro par rapport à ça. Moi, je trouve ça trop bien. Alors, XSR, 64, 128, 256. Ah, donc il monte quand même jusqu'à 256. Ouais. $749, 900€. Donc c'est plus que ce que disaient les prédictions de Benjamin Gaskin, notamment, qui disait... Ah ouais. Je crois que Benjamin... Ah oui, oui, il descendait plus bas, ouais. Ouais, il parlait de 699, je crois. Donc, ah oui, octobre, 19 octobre, donc lui, je pense qu'il va être plus tard, et 26 octobre, la sortie. Alors que les autres, c'est plus fin septembre. Okay. 64, 256, 112, 512 pour $1000 minimum. Donc il est quand même moins cher que l'iPhone 10. Ouais, 64 Go, ouais. Il est moins cher. Ouais. Ça c'est pas mal. Ouais, France. Ouais, on n'est pas chez Google. Alors, iPhone 7 à $550. Ah oui, alors iPhone 8 à $600. Et voilà, et on ne sait pas ce qu'ils font de l'iPhone 10 en fait. Du coup. Ouais. Ouais, parce que l'iPhone 10. L'iPhone Est-ce qu'ils vont le retirer du site? C'est possible. Mais ouais, pour moi, c'est l'iPhone 10R. Là, ouais, l'XR qui est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Max, le Max, j'ai un peu de mal, hein, mais bon, pourquoi pas. Hein. On va s'habituer avec le temps. Oui. C'est juste que je comprends pas pourquoi ils ont changé en fait. Ouais, ouais. Parce que tous les concurrents appelaient leur truc plus, non? Ça les a saoulés. C'est bon, vas-y, les gars, on va changer de nom avec Max. On va voir combien suivent. C'est clair, ils vont tous suivre. This is the Huawei Mate Max. Il n'y a pas d'AirPods, il n'y a pas d'iPad. Après, l'iPad, ils ont souvent été. Il y a eu pas mal de fois, ils ont été annulés en courant novembre. Annulés? Annoncés, plutôt. D'accord. Effectivement, ça n'a rien à voir. Bon, ben voilà, la keynote est terminée. Pas de surprise. C'est les produits qui se présentent, bah c'est les mêmes qu'avant, ouais. Un peu mieux. Voilà, donc là, cette année, au lieu d'avoir l'iPhone XS Plus, on a l'iPhone XS Max, et au lieu d'avoir l'iPhone XC, comme l'iPhone 5C, on avait eu à l'époque, bah là, on a l'iPhone XR. Voilà. Pourquoi R? Je sais pas, ça a peut-être une signification. R comme révolution. Ouais. C'était, enfin, le one more thing de cette keynote, c'était l'iPhone R, en fait. Ouais. Qui donc va être moins cher que les autres, ce qui est bien. Qui peut être pas mal, en vrai. 859€, d'accord. Ouais, quand même. Quand même. C'est évidemment beaucoup plus cher qu'un smartphone Android équivalent, mais si tu tiens absolument à avoir un produit Apple avec l'écosystème iOS, etc., c'est, je pense, le plus intéressant. Enfin, pour les personnes, pour monsieur tout le monde, je pense que c'est le plus intéressant. Ouais, carrément. Même pour moi, en vrai, je pense que si j'avais à choisir entre les trois, ouais. Je prendrais l'iPhone XR, quoi. Ouais, tu perds. Moi, tu perds le 3D Touch. C'est un peu ça. Par rapport à l'iPhone 7, c'est ce que je perds, en fait. Ma foi, eh bien, écoutez les gens, on espère que cette petite vidéo un petit peu détente, un petit peu bonus vous aura plu. Si vous avez des choses à rajouter, si vous avez votre avis à partager, eh bien, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, nous ça nous fait toujours plaisir. Et puis voilà, on a nos deux Twitter qui sont dans la description. Voilà, je vais mettre ton Twitter dans la description. Cool. Je suis un mec généreux. Mon Insta aussi. D'accord, je mettrai ton Insta aussi. Voilà, écoutez, bye tout le monde et puis santé. À bientôt. Bon, on verra bien si c'est qui savent cette merde.